Salut à tous et bienvenue dans ma cantina. J'espère que vous allez bien. Pour changer, on va parler de Sideshow en premium format. Elle est enfin annoncée en précommande. La superbe, superbe, je dis bien superbe, j'insiste, Captain Rex premium format figure qui est enfin, il l'avait annoncé, j'en avais parlé d'ailleurs il y a quelques temps. Elle est enfin disponible en précommande avec des belles photos sur le site de Sideshow. Et c'est une belle réussite. Vous savez très bien que moi, je suis un grand fan du personnage de Captain Rex. Je l'ai en tatouage, j'ai pas mal de figurines dessus. Mais là, j'admets que ce premium format est très très belle. Et on voit en photo, et ça me fait marrer. Il est marqué produit vendu séparément. On ne sait jamais si on veut acheter la plante ou le luminaire, voir le tableau, voir le meuble. C'est bien précisé. Donc voilà la bête. Et ce qu'on va voir tout de suite, c'est, vous voyez déjà. Ça va être, je pense, ça va être un bon gros morceau. Le carton, je pense, va être très très important. Et on va le voir plus tard. Mais le socle ici, avec son jetpack derrière, il s'allume. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai vu ça tout à l'heure. Voilà. On voit ici, la base s'allume. Donc, je pense que ça va. On va regarder plus en près en détail. Mais j'imagine qu'elle s'allume avec une prise USB. Et ça, c'est pas mal. Évidemment, la version de Rex, version Clone Wars. On remarque, c'est le casque, c'est la version phase 2. On remarque ici le casque, son petit blaster qui va bien, son poltron. C'est vachement bien. C'est Monsieur Aaron McNutt et Monsieur Bernard Esquivel, le peintre et le sculpteur. Bah, belle réussite, messieurs. C'est une belle pièce. D'ailleurs, si on revient en arrière, comme je vous dis, gros morceau, gros morceau. C'est une belle, belle réussite. On voit les plans en gros. Bah, de toute façon, c'est Sideshow, ça, les premium format figure, ils savent faire. Hein, autant chez les 1/6 scale et 1/4 scale Hot Toys, il n'y a pas photo au niveau des détails, c'est mieux. Mais sur les formats figure comme ça, hein, les statues. Donc, Sideshow, une grosse expérience et c'est une grosse réussite à chaque fois. Je vous invite à voir mes vidéos que j'ai faites sur les prototypes Macquarie, etc. C'est top. Le SOG va être très, 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 très beau. Une sorte de battle droid, quelque chose comme ça, j'imagine. On voit pas très bien, j'imagine. Donc voilà le bébé. Comme ils disent en centimètres, 27 pouces, je sais plus combien, mais on va le regarder dans les détails. Alors, on va le regarder dans les détails. C'est disponible donc en précommande. Et là, ça fait très, très mal à la tête. Très, 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 très mal à la tête. Alors ça, je ne m'y attendais pas. 940,43 € en précommande, sans évidemment les frais de port. Et ça, je peux vous dire qu'on va regarder le poids. Mais est-ce qu'on a le poids ici? Non, ça, c'est les artistes à tactique. Donc la hauteur, c'est un beau morceau, hein, 69 cm de hauteur, 38 cm d'envergure, 4,5 kg. Ça va coûter au moins 100 € de frais de port. Et bien sûr, ça vous a d'arracher la tête avec les frais de douane en arrivée parce qu'on est à 1000 balles. Donc à plus de 20% avec les douanes et les frais de poste. Ouh, je vous conseille d'aller le commander chez mes amis de Album Comics. Ça vous reviendra moins cher et il y aura moins de risques. C'est à vous de voir. En tout cas, si vous commandez Sideshow, vous avez toujours la possibilité de paiement plusieurs fois. Ça, c'est pas mal. Toujours avec un dépôt de 94 € qui est non remboursé. Et après, il commence à débiter assez rapidement. À partir du 5 juin, la bébête sera disponible, elle, en fin d'année, en Asie, février 2025. Donc, ce sera évidemment février 2025 pour l'Europe, comme d'habitude. La vôtre, un petit café. Asie, États-Unis, Europe. Février 2025, au plus tôt, s'il n'y a pas de retard de la part de Sideshow. Ça dépend. Ils ont quand même beaucoup moins de retard en ce moment. Particulièrement sur Star Wars, ça se vend bien donc. C'est à vous de voir. Moi, je vous déconseille de commander directement chez Sideshow. Ça va vous coûter une blinde. Donc, allez le commander chez mes amis d'Album Comics. Envoyez-leur un message pour précommander. Vous pouvez aussi payer en plusieurs fois. Enfin bref, faites ce que vous voulez. C'est à vous de voir. Dites-moi en commentaire si déjà vous aimez les premium formats, si vous allez vous commander celle-là, si vous en avez d'autres. J'attends vos commentaires. C'est plutôt intéressant. J'aimerais bien me la commander là, mais là financièrement à 949 €, ça va être compliqué, mais c'est une statue que je trouve super belle. Cette donc limited edition, ça me fait marrer. Donc ils disent que c'est une édition limitée, mais ils disent pas le numéro. Ça va être défini dans, je sais pas, selon leur précommande. Voilà, c'est une belle pièce.
Écoutez, si vous avez précommandé toute celle-là, comme Asahi Ventress, Ahsoka, Grievous que j'ai, qui est là, ici, là. On voit ici un bout de sabre laser. Et Mace Windu qui vient d'être annoncé, c'est de la balle. C'est vraiment de la balle. Dites-moi ce que vous en pensez. Si je pouvais, je la commanderais. Je sais pas où je pourrais la... je sais pas où je la mettrais d'ailleurs parce que j'ai plus de place. Mais je la trouve vraiment, vraiment super belle, quoi. Et c'est un beau gros morceau. Bon boulot, messieurs. Comment ils s'appellent déjà? Aaron McNutt et Bernardo. Bernardo Esquivel. Messieurs le sculpteur et le peintre. Good job. Voilà. Allez, j'attends vos commentaires sur cette précommande disponible sur le site de Sideshow pour début février, début d'année 2025. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos retours. Un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer les notifications pour savoir quand je sors mes vidéos sur ma chaîne. Merci de vous abonner évidemment à ma chaîne. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien. Demain matin, je serai au Paris Card Show à Porte de Champéret dès 9h30. Vous pourrez m'y croiser. Je pense que c'est un show sur les trading cards particulièrement basé sur le sport, mais je pense qu'il y aura un peu de Star Wars, en tout cas j'espère. Je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous, ciao, bye.